Je préparais donc mon terrain. C'est durant l'année universitaire 75-76 dont je me souviens comme d'une année fiévreuse. Bon. Dévorer livre sur livre. Mais préparer un terrain, à partir du moment où je décidais que c'était les Touaregs, ça ne s'est pas fait tout de suite. Ça a pris quand même quelques mois, j'ai hésité. J'ai même songé pendant un temps aux Indiens Yanomami. Ça, c'était parce que j'avais dû voir un film. Ils étaient très impressionnants, les Indiens Yanomami. Et ça, c'est aussi la lecture de Pierre Clastres. Bon, c'était pas lui, c'était les Guayaquil, mais les Indiens Yanomami, ils étaient encore plus sauvages que les Guayaquil, ça serait bon. Mais en même temps, je me disais, c'est peut-être un peu beaucoup pour commencer, c'est bon. Commençons par plus près, allons regarder du côté du Maghreb, et plus tard peut-être. Bon, j'ai eu cette idée pendant quelques temps. Bon. Il a fallu donc que je lise, quand j'ai décidé que ça serait les Touaregs, que je lise bon, sur les Touaregs. Et un livre qui a été important, que j'ai beaucoup aimé, de la bonne ethnographie, bien descriptive. Je regrette un peu de ne pas avoir fait de l'ethnographie comme ça, purement descriptive. Bon, c'est Nicolas Hyssen, c'est un ethnographe danois qui a publié en 1963 un livre qui s'appelait « Culture and Ecology of Pastoral Touaregs ». Donc j'ai dévoré ça. Et il avait séjourné chez deux groupes Touaregs. Alors un groupe dans le Haut-Gard, dans le sud algérien. Le Haut-Gard, c'est là où avait vécu le père de Foucault, bon, quand il a vécu chez les Touaregs, et qui s'appelait les Kalhagar. Le Haut-Gard chez les Touaregs, ça se dit « Hagar ». Haut-Gard est un mot arabe que les Français ont repris. Et Kalhagar, c'est les gens de la Hagar. Et il avait aussi séjourné quelque temps chez des Touaregs, un groupe Touareg qui est au Niger, près d'Agadez, donc au nord du Niger. Les Kalferouan, les gens d'Iferouan. Bon, les Kalferouan. Bon. C'était. Bon, il y avait un livre sur leur culture matérielle, sur la parenté. Et entre autres, il parlait un peu de quelque chose qui était important, qu'on avait lu Lévi-Strauss, les mariages préférentiels. Ça, c'est grosse affaire, les mariages préférentiels. Oui, ça m'a occupé plus que de raison. Ce que faisait apparaître les Lévi-Strauss, c'est qu'il y avait des sociétés où d'abord on épousait une parente, c'est ça ce qu'il appelait les sociétés à structure élémentaire, on épousait une parente, et une certaine parente, une certaine cousine, alors plus ou moins lointaine, mais une certaine cousine, alors ça dépendait. Il y avait, bon, mais notamment en Australie, c'était un peu le jeu, j'épouse ta sœur, tu épouses ma sœur, c'est les sociétés, bon, qu'il appelait à échange restreint, je te donne, tu me donnes. Et puis il y a des sociétés plus compliquées dans le sud-est asiatique, et c'est plutôt... Je te donne ma sœur, tu lui donnes sa sœur, il lui donne sa sœur, et puis ça revient jusqu'à moi, ça tourne. Bon, c'est ce qu'il appelait l'échange généraliste. Bon, en réalité, j'ai appris plus tard, notamment en lisant la critique, qui est la meilleure critique qu'on ait faite de Lévi-Strauss, ce qu'a écrit Louis Dumont, dont il faudra que je parle un peu, que c'est un peu simpliste tout ça. Mais donc, bon, à l'époque, moi j'étais débutant, j'étais, ah ben oui, tiens, et surtout que Nicolas Hyssen, il disait des choses intéressantes, il disait, il y a des endroits où la cousine préférée, oui, c'est la fille de l'oncle maternel. Alors ça, c'est un peu l'idée, là, c'est dans le sens, c'est plutôt échange généralisé. La foule, bon, on ne va pas rentrer dans les schémas, peu importe, tout ça, c'est un peu caduque, bon. Mais il y avait d'autres endroits où c'était plus compliqué, c'était la fille de la tante maternelle, ce qui est bizarre, là, ça veut dire qu'on reste entre soi, enfin, bon. Bien. Bon, donc je m'étais dit, il fallait quand même que, en réalité, j'avais pas d'idée théorique bien précise, mais l'idée, je vais aller vivre chez les Touaregs, et on verra ce qui adviendra, mais il faut quand même, pour me rassurer, pour être tranquille, il faut que j'ai un sujet de recherche, puis sur place, on verra. Bon. Je vais recueillir des généalogies, puis voir comment ça marche. Bon, on verra bien, si. Pas d'échange comme ci ou comme ça. Bon.
Donc c'était l'un de mes projets qui commençait à s'organiser. Bon. J'en étais pas tout à fait convaincu parce que je me disais c'est un peu ennuyeux de recueillir des généalogies. Bon, j'espère que je trouverai d'autres choses intéressantes à faire. Heureusement, j'ai trouvé d'autres choses intéressantes à faire. Bon. Mais par ailleurs, parce que, bon, il était hors de question pour moi de travailler avec interprète. Donc il fallait que j'apprenne la langue. Heureusement, l'un des parlers touareg, parce que bon, disons que c'est une langue touareg, mais il y a des dialectes distincts. L'un des parlers était enseigné aux langues orientales, qui est un parler du sud du Niger. Et on avait aussi, c'est là que j'ai vu le père de Foucault d'une autre manière, on avait aussi les immenses travaux du père de Foucault, les immenses travaux linguistiques du père de Foucault sur les parlers touareg du Hoggar. Donc là, il y avait les livres, j'ai commencé à étudier, à regarder. Ces notes de grammaire avaient été éditées, mais il y avait le dictionnaire, son dictionnaire touareg français, c'est un monument. Bon, j'en parlerai quand je parlerai précisément du père de Foucault. C'est un monument qui se dévore comme une encyclopédie. Enfin, il y a un plaisir à lire ce livre. Bon, et puis, il avait recueilli des poésies. J'ai regardé un peu ces poésies et je les ai trouvées merveilleuses. Les poésies touareg, bon, je crois que c'était que j'ai d'abord connu livresquement, enfin, dans les travaux du père de Foucault. Il y a notamment un petit poème, c'est le début, là, il a donc, ça a été publié après sa mort, hein, ça a été publié en deux tomes, son recueil de poésie touareg, qui était donc la transcription du texte touareg, la traduction, les commentaires. Il y a notamment un petit poème, je me souviens encore à l'époque, un tout petit, hein, quelques vers de l'avoir beaucoup aimé, c'est le premier poème du tome 2. Je lis la traduction qu'il donne. Je vais changer un mot, j'expliquerai, je change juste un mot. Bon. Ô mon cousin, mon bien-aimé, je croyais jadis ne pas t'aimer. Quand on est revenu disant que tu es mort là-bas, je suis monté sur la colline où sera mon tombeau. J'ai ramassé des pierres, j'ai enseveli mon cœur. Ton odeur que je sens entre mes seins jette le feu au-dedans de mes os. Ces hommes étaient capables de composer des choses aussi belles. Et je me souviens quand j'ai vu ça, notamment ça, mais celui-là, je me souviens encore du choc que ça m'a fait. Bon, parce qu'il est bref et intense. Bon. Ce que j'ai traduit par sein, il l'a traduit par mamelle. Mais ça, c'est le français de l'époque. Je me suis dit, mais moi aussi, je recueillerai des poèmes. Il y avait donc ce double programme. En tout cas, même si je ne recueille pas des poèmes, ça doit être très difficile de recueillir des poèmes, même si je recueille des poèmes, j'aurai le plaisir de parler dans cette langue qui a l'air si belle. Et parce que j'ai donc suivi l'enseignement des langues, et en fait, je l'ai commencé assez tard, puisque j'avais hésité pas mal. Bon, c'est au mois de février, donc l'année universitaire était bien avancée. Bon, il y avait un cycle de 2 ans d'apprentissage du touareg. Alors, il y avait un professeur, ça c'est le système des langues orientales, le système à l'ancienne, le professeur Lionel Galland, très grand homme, que j'ai beaucoup aimé, qui je crois m'a honoré de son amitié, qui est mort il y a pas très longtemps, qui était le professeur qui enseignait la grammaire. Et d'une manière générale, il enseignait aussi la grammaire d'autres langues berbères, et ce qu'on appelait à l'époque l'assistant, qui était un Touareg, Mohamed Arali, un Touareg du sud du Niger, qui donc nous faisait parler dans sa langue. Et dans sa langue du parler touareg du sud du Niger. Comment on appelait ça? Non, on appelait ça l'informateur linguistique. C'était vraiment le système colonial. Il y avait l'informateur qui est là pour dire au professeur bon, comment se conjugue tel verbe, etc. Bon, ça a été changé après. Il est devenu assistant. Bon, et puis il a fini professeur. Il a dû prendre sa retraite il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, bon. Bon, ça a été mes 2 maîtres. Et je me souviens, bon, ça prouve à quel point j'étais vraiment déterminé. J'ai trouvé que c'était pas si difficile que ça. Enfin, j'étais pas très doué pour les langues, les seules langues, enfin, bon, que j'avais vraiment étudiées quand j'étais au lycée, c'était les langues mortes, c'était le latin et le grec. L'anglais, bon, j'avais un bon, le de, le te, ça m'avait toujours posé problème. Là, aucun problème. La seule consonne qui était un peu étrange pour des Français, c'était le kaf, ce qu'on appelle le kaf. Tout de suite, j'ai prononcé pas de problème. Aucune. Bon, alors que le de et le se, ça n'a jamais été très net. Bon, mais je me disais, bon, ça va,
Je suis fait pour cette langue. Y a pas de... Et j'ai tout de suite aimé travailler dans cette langue, lire des textes. Bon. Et alors, il y avait donc le travail que nous faisait faire Mohamed Arali, hein, aux langues orientales. Mais comme je n'avais pas tout de suite décidé où j'irais, je ne sais plus par quel biais je suis entré en contact avec un petit frère de Jésus, donc lui aussi appartenant au premier ordre qui a été fondé, je crois, en 1921, après la mort de Foucault, se réclamant du père de Foucault, et qui vivait à Tamanrasset. Mais il faisait à l'époque un séjour en France. J'ai pris donc des cours du parler du Hoggar. Donc il y avait donc le parler du sud du Niger que j'apprenais au Langso, et le parler du Hoggar, bon, nettement plus au nord, que j'apprenais avec lui. Il avait même fait, il avait bien voulu faire ça, me faire enregistrer des bandes par des enregistrements de jeunes gens au Hoggar et sur lesquels je travaillais. Enfin, bon. De sorte que quand je suis arrivé sur le terrain, j'avais de bonnes bases de grammaire et j'avais un peu pratiqué de parler. Parti pas complètement vierge. Et oui, alors pour déterminer quel endroit, en fait, c'était d'après le livre de Nicolas Hyssen, Nicolas Hyssen avait donc, je l'ai dit, travaillé chez les Kalfaouane, près d'Agadez, et chez les Kalahagar, dans le sud algérien. Mais il disait quelques mots sur des gens qui étaient un peu entre les deux, les Kelaoué, au nord d'Agadez, qui sont dans un massif assez montagneux, qui est un peu le pendant de l'autre côté du Sahara, du Hoggar. Hein, on peut vraiment dire, c'est même un peu la prolongation. Bon. Et d'après le peu qu'il en disait, on a l'impression que le système de parenté avait l'air intermédiaire entre les Kelferouan et les Kelhagar. Bon, je me suis dit, je vais aller là-bas, on verra bien. Bon, puisqu'il y avait quand même l'idée mariage préférentiel. Je vais donc aller chez les Kelhagar. Je me souviens que j'avais préparé sur une carte les endroits où j'irais, j'avais préparé. Bon, je savais très précisément où je devais aller chez les Kelhagar. Est-ce que j'y croyais tout à fait, mais ça me rassurait de faire un programme très précis, les Kelhagar. Et je suis parti. Et je suis parti, je me souviens que j'ai quitté Paris le 16 septembre 1967. J'avais décidé, il n'était pas question que j'aille trop vite là-bas. Il fallait vraiment, dans mon esprit, il fallait qu'il y ait... Je ne pouvais pas passer comme ça, directement de Paris au Touareg. Il fallait qu'il y ait un cheminement, donc j'allais y aller par voie de terre. Pas question de prendre l'avion jusqu'à Niamey, bon. Donc, j'ai pris le train jusqu'à Marseille, le bateau jusqu'à Alger, et puis après, bon, ça. Bon. Je suis arrivé à Alger, donc. Bon, je me suis renseigné parce que je ne savais pas trop quels étaient les cars qui allaient. Alors, la première ville que les cars atteignaient, c'était Gardaïa. Les cars qui allaient à Gardaïa, on me dit oui, ben, c'est demain matin. Il allait donc falloir que je passe une nuit à Alger, mais heureusement, et ça, c'était Ramadan, il y avait des cafés ouverts toute la nuit. Bon, je me suis installé avec mon sac dans un café, j'ai commencé à consommer du café. Puis après, j'ai changé de café parce que celui-là, quand même, fermé. Je trouvais un autre café où d'ailleurs des marins philippins qui faisaient escale là, m'ont offert des bières et m'ont aussi demandé de leur traduire. Ils avaient besoin de quelques mots de français pour leur séjour. Alors, c'était des marins. Hein. Ce qu'ils m'ont demandé de dire en français, c'est comment on pouvait dire en français I love you, how much for the night? Donc, je leur ai traduit ça. Bon, je vous aime. Ah oui, je vous aime. Bon, je veux dire, il y a cette longue nuit que j'ai passée avec ces marins philippins, très hospitaliers, qui me servaient bière sur bière. Le résultat, c'est que j'étais malade le lendemain. Bon. Donc la nuit s'est passée et le lendemain, donc matin, je prends le car pour Gardaïa. Bon. Alors Gardaïa, qui est une très belle ville, une ville hein, où vit une population qui s'appelle les Mozabites, hein, on m'avait déjà parlé quand je vivais en Algérie, quand j'étais enfant. Hein, bon. Je passe quelque temps à Gardaïa, parce qu'après, il y avait un autre bus pour El Goléa, une ville un peu plus au sud. Ça prenait un peu de temps. Et après, il n'y avait plus de bus. Il y avait
une espèce de camion assez particulier qui faisait le voyage, une ligne régulière. Mais c'était les roues arrière étaient sur chenilles parce qu'il n'y avait pas de transsaharien à l'époque. Hein, bon. Donc j'ai attendu quelques jours à El Goulela. Je prends ce camion qui me conduit jusqu'à Tamanrasset. D'ailleurs, ça a été un peu mouvementé parce que le camion a dérapé. Bon, les chenilles ont été déchirées. Il a fallu être dépanné par un autre camion. Bon, j'arrive à Tamanrasset. Donc ça, le temps passé, c'est ce qu'il me fallait. Et à Tamanrasset, ben, il commençait à y avoir des Touaregs, c'était en ville, mais il commençait. Alors je suis allé avec mon petit carnet, j'ai dit on va voir. Et je me souviens encore, et malheureusement le petit carnet, je ne sais pas ce qu'il est devenu, je suis tombé sur un jeune garçon vraiment qui gentiment a accepté de me dire des choses que j'ai prises en note, de me dire quelques petits poèmes. Bon, c'était un réfugié du Mali. Je savais un peu, mais je l'ai appris bien plus par la suite, les Touaregs du Mali avaient été, pour dire le moins, extrêmement maltraité à l'indépendance, et beaucoup avaient fui en Algérie. Donc ce jeune homme était un réfugié, et gentiment, il avait accepté de me parler. Bon, j'en ai encore le souvenir. Je me souviens que j'avais écrit une lettre à une amie que j'avais laissée en France. Je me dis, tu sais, je suis arrivé au Sahara, j'ai trouvé le petit prince. C'est vraiment comme ça que je voyais ce petit... Quel âge il pouvait avoir, je ne sais pas, il était très jeune, qui acceptait de me dire des choses que j'ai notées. Bon, je me souviens d'avoir fait ça dans l'émerveillement, ça commence. Bon. Alors après, il n'y avait plus de ligne régulière, il fallait attendre les camions. Et c'est un camion de touriste allemand qui m'a conduit de Tamanrasset à Arlit. Arlit, c'est la ville minière, parce qu'il y a des mines d'uranium là-bas. C'est vraiment la première ville qu'on atteint, qu'on vient du nord, qu'on vient d'Algérie, au nord du Niger, qui est encore nettement plus au nord qu'Agadez. Et là, j'ai donc voyagé dans la benne, enfin, c'est comme ça qu'on faisait. Hein, bon. J'arrive à Arlit. Alors, à l'époque, ça a peut-être changé maintenant, à l'époque, l'arrivée d'un camion venant du nord, c'était un petit événement. Donc, on arrive et il y avait des jeunes gens. Des jeunes gens autour du camion. Et il y a des moments, je crois, qui sont des cadeaux de la Providence. Il y avait un jeune homme, là. Alors, je me souviens de l'image, mais c'est curieux. L'image, le souvenir que j'en ai l'impression que c'est un souvenir de souvenir parce qu'il était comme ça. Comme ça, il regardait. Mais le problème, c'est, dans mon souvenir, il est comme ça ou bien il est comme ça. Je ne sais pas. C'est-à-dire que je me souviens du geste, mais en réalité, l'image que j'en ai, c'est un souvenir de souvenir. Bon, que j'ai immédiatement trouvé bienveillant. Enfin, bon. Donc je suis descendu et je l'ai salué avec les quelques mots de Touareg que je connaissais. Alors il m'a regardé amusé, c'était pas habituel. Et il m'a dit « Missanmek ». Il m'a compris, « Missanmek ». Alors là, il me l'a dit en français, « Quel est ton nom? Comment tu t'appelles ?» C'est là que j'ai compris que « Ouh, il y a plusieurs parlers différents, ça change de l'un à l'autre. » Parce que dans le parler du Hogar que j'avais bien pratiqué, « Quel est... » ton nom, enfin, quel est nom de toi, ça aurait été ma, quoi, yomos, et ism, nom, n, de, nek, toi. Ma, yomos, ism, nek, ça aurait été dans le parler du yoga. Bon. Dans son parler à lui, ism, le nom devient isen. Alors, isen, n, ek, nom de toi, ça devient isen, nek. Paf. En plus, le verbe être saute. Quoi, nom de toi? Ça fait ma isennek, mais le a était l'idée. Misennek. Alors, quand il m'a dit quel est ton nom, dans ma tête, j'ai reconstruit. J'ai dit, ah oui, d'accord, je vois. Bon. Mais je me suis dit, ça va être terrible, parce qu'à chaque fois, il faudra que je fasse ça. C'est-à-dire, je savais que j'allais avoir des problèmes avec cette variation dialectale, mais ça va être terrible. Et en fait, ça n'a pas été tellement, parce que ben, je crois que c'était tellement important pour moi d'apprendre la langue que je l'ai apprise. Donc au début, alors ce jeune homme s'appelait Moussa.
Moussa, et il avait aussi un surnom Barka, donc les gens l'appelaient plutôt Barka. Au début, je l'ai appelé Moussa, puis après, c'est devenu Barka. Souvent, les gens ont plusieurs noms comme ça. Bon, donc, j'ai ressenti quelque chose pour je me suis dit, mais c'est peut-être vraiment, je me suis dit, mais est-ce que je me suis dit à l'époque, c'est la Providence qui le met sur mon chemin? Maintenant, je le pense. Je pense que la Providence a bien voulu le mettre sur mon chemin. Ça, y a pas, bon. Mais je me suis dit, oh, il serait bien comme guide. Bon, il parle un peu français, j'ai quand même un peu besoin au départ. Mais en même temps, je me disais, sois sérieux, tu vas pas t'emballer comme ça. Tu vas rencontrer à la descente de ton camion, tu vas pas. En tout cas, il m'invite à passer quelques jours. Là, il est bon, viens chez moi. Peut-être pas au départ passer quelques jours, mais viens prendre de thé à la maison. Bon. Et je lui explique un peu ce que je suis venu, je viens faire. Tu vois, je viens étudier les coutumes des gens. Bon, alors en fait, il était. Quel âge il pouvait avoir? 17 ans, 18 ans, peut-être 20 ans. Mais il était déjà responsable de famille parce que son père était mort. Alors il appartenait au groupe des forgerons. Et. Qui sont un peu un groupe à part chez les Touaregs. Et bon, je crois que c'est une bonne chose que j'ai. Les connus parce que les forgerons ont un rôle un peu central, un peu de pivot. Ils travaillent pas seulement à la forge, ils officient aussi dans les cérémonies de mariage. Et, bon. Mais je me disais en même temps, t'emballes pas, c'est peut-être un peu trop vite, on va voir. En tout cas, il avait l'habitude, comme il était obligé de travailler, bon, il avait déjà servi de guide à des touristes ou à des coopérants. Donc je lui ai dit, tu vois, c'est un peu pareil, bon, tu me conduiras, et puis voilà, tu me serviras d'interprète au début. Bon. Et j'ai dit, je veux aller chez les Kelloué. Bon, il y avait même un village très précis par lequel je voulais commencer, Atri. Atri qui veut dire l'étoile en touareg. Donc. On met au point ce qui allait être notre séjour. Ça supposait un certain temps, ça nous a pris plusieurs semaines. Il fallait acheter des chameaux. Un chameau pour lui, un chameau pour moi, un chameau pour les bagages. Et au bout de quelques semaines, alors on s'est mis en route vers Atri. Mais là, c'était à Arlit. Alors sa famille était d'Agadez. Donc on a passé quelques jours à Arlit, puis on est descendu ensemble. Jusqu'à Agadez, c'est à Agadez en fait qu'on a préparé le voyage. Bon. Bon, donc Agadez, pour moi, c'était l'arrivée au port, donc et ça avait pris du temps. Hein, entre le moment où j'avais pris le train à Paris, et je ne sais plus combien de temps il s'est passé, mais bon. Et je me souviens encore du voyage, à nouveau dans la benne d'un camion, puisque c'est comme ça qu'on voyageait, dans la benne d'un camion d'Arlit à Agadez. Et je regardais, alors c'est une terre très différente de ce que j'avais traversé, une terre rouge, latéritique. Bon, on voyait des chameaux, ça et là. Bon, et je me souviens qu'à un moment, on s'est arrêté et le camion a pris deux petits Touaregs qui pleuraient. Et leur père expliquait, ben, ils vont à l'école. L'école, ça, j'ai entendu le mot l'école, puisque l'école, c'est l'école. Bon, l'école des Européens, c'est l'école. Ils allaient à l'école à Agadez, bon, ils pleuraient, les deux gamins, ils quittaient leur famille, ils allaient à l'école. Et il y avait un ouvrier, enfin un Nigérien qui était dans la benne du camion. Il s'est mis pour les amuser, enfin bon, leur faire oublier leur chagrin, faire des acrobaties dans la benne. Il me disait, mais il va se rompre les coups. Dire bon. Et puis moi, j'avais des bonbons, parce que pour parler avec les enfants, je leur ai donné des bonbons. Je me souviens qu'ils ont pris des bonbons, ils les ont mis dans leur poche, et puis ils sont restés comme ça quand même. Ils avaient le cœur très gros, les petits garçons. Et il y avait Moussa avec moi. Et je suis donc arrivé à Agadez. Où là, j'ai commencé à préparer mon séjour, ce qui allait être mon premier séjour chez les Kelloué, donc.